Salut les amis, c'est MM Simulator. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans la campagne, mais cette fois-ci, c'est pas la même campagne. C'est pas une campagne parc, c'est une campagne campagne. Donc en gros, c'est ni un parc, c'est en gros, c'est une réserve de chasse un peu. Donc on se promène un peu de temps en temps. Voilà. Donc je voulais vous montrer tout simplement déjà voir comment réagissait un peu la caméra, la nouvelle caméra. Donc je l'ai mis sur un harnais pour pouvoir aller deux petites mains tranquilles. Donc je voulais vous montrer une petite appli que j'ai téléchargée parce que je voulais pas montrer dans l'autre vidéo, je voulais vous montrer. Donc c'est cette appli, donc on peut la mettre en flottant. Je pense que à partir d'une certaine mise à jour, si votre téléphone est trop vieux, vous ne pourrez pas. Donc c'est pour Pokémon Go, bien sûr. On va faire une vidéo un peu spéciale Pokémon Go parce que c'est la mise à jour de Noël. Donc on va profiter de la mage de Noël pour en profiter, pour voir un peu ce que ça peut valoir. Je vais vous expliquer en fait ce que vaut un peu cette application, parce que j'ai déjà bien pu la tester et je m'en sers un peu de temps en temps, parce qu'en gros quand je veux vraiment me servir des trucs, je me sers de mon ordinateur. Je vais sur un site internet qui me donne toutes les IV en fait de mes trucs sans calculer, mais en gros j'ai mon compte qui est enregistré dessus et ça calcule tous mes IV directement et c'est vraiment beaucoup mieux que ça, parce qu'en gros c'est plus précis. Mais bon, je m'en sers un peu de temps en temps quand j'ai pas mon ordinateur sous la main. Donc voilà, tac, ça charge. Depuis la mise à jour de Noël, en fait, ça rame un peu moins parce que j'avais eu des bugs sur la précédente vidéo que je vous ai faite, que j'ai toujours pas monté d'ailleurs, mais ça va arriver. Donc, par exemple, je veux calculer l'IV de Ferro Carnage, je sais déjà son IV. C'est bien pour ça que je vous le montre. Donc on peut calculer son IV en cliquant sur calculer sur IV. Donc on met roue carnage. Hop. Tac. Donc il y a roue carnage ici. Donc son PC c'est 1282. PV 114. Hop. On met le truc tout au bout. Parce qu'en gros je l'ai monté à fond. En fait je l'ai monté son niveau à fond parce que en gros je connais son IV et vraiment c'est un très 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 bon Pokémon en IV. Donc tac et voilà. Donc en gros il a 100 IV et c'est le seul que j'ai comme ça, mais bon. Voilà. Et ça marche avec tous les Pokémon en gros, mais par contre sur les trois quarts des Pokémon il va pas donner comme là, il m'a donné un truc très précis. Il va me donner un truc moins précis. Donc je voulais. Donc voilà, donc je voulais finir ça. Hop. Donc en ce moment, d'après ce que j'ai compris, on a des incubateurs une fois par jour. Donc c'est un peu dégueulasse, donc gratuit, pas cher dans les Pokéstop quand on en tourne. Et vu que moi j'entends pas souvent, bah voilà. Donc je voulais vous faire aussi une petite vidéo spéciale parce qu'on a le truc dans la boutique. En gros, on a le logo de la boutique qui a changé. Et on a droit à 3 cadeaux. Bien, moi j'en vois que 3. Après, peut-être qu'il y en a d'autres, je sais pas où. Donc, je vais. Vous voyez, j'ai pris des Poképièces pour pouvoir ouvrir l'une de ces boîtes. Donc, je vais ouvrir une boîte. Je vais ouvrir la 1500 et voir ce qu'il y a dedans pour, voilà, pour fêter Noël, pour tout ça. Donc, je vais y aller. 1, 2, 3. Ah merde. Ah ouais! Ah oui, ok, ah oui, ok. Donc on nous dit ce qu'il y a dedans en fait, il y a des incubateurs, il y a des balls, des hyper balls, des encens. Ah ouais, c'est vraiment cool. Donc on va acheter un truc comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes spéciales? Deux incubateurs, plus des super balls. Donc on va essayer... Déjà, je vais directement mettre tous mes trucs en incubateur, hein, tous mes œufs. Donc les 10, attends, mais non, pas les 10, pas les 10, pas les 10. Ça va être trop long, parce qu'en fait, en gros, je fais pas beaucoup de kilomètres. Et en plus, c'est des bons incubateurs, bien, c'est des incubateurs de 3 utilisations, c'est pas comme les autres. Tac. Tac. Donc, c'est vraiment cool. Tac. Donc il m'en reste encore 2. Donc là, hop. Donc il me reste juste assez en fait. J'ai. Merde. Tac. Et tac. Voilà. Donc en gros. Ah c'est cool. C'est vraiment cool. Ok.
D'accord, bon, bah, pas de problème. Ça m'arrange, mais bon, c'est vrai que ça coûte un peu cher pour pas grand-chose, parce que là, en gros, j'ai mis 15 euros dans le jeu, et c'est vrai que ça me fout un peu les boules. Donc, je voulais m'acheter des incubateurs avec ce qui me restait, mais finalement, je vais peut-être acheter autre chose. Vu qu'il y a la deuxième G qui arrive, je vais vous dire clairement, je vais m'acheter des extensions, deux extensions du stockage de Pokémon, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus de place. Mais que 50? Mais vous vous foutez de ma gueule? Que 50, alors pas de problème, hein. Ça, on va devoir faire avec. Donc maintenant, je peux acquérir 400 Pokémon. Donc non, c'est un peu plus que la deuxième G. Donc voilà. Et j'ai pas encore de Pokémon de la deuxième G. Donc voilà. Je peux pas vous en dire plus. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur l'extension de Noël. Pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose. Donc moi, je vous dis à la prochaine. C'était MM Simulator. Ciao, ciao!